Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je reviens pour vous parler de quelque chose qui a tout son intérêt dans votre ménage et dont on ne pense pas, dont on ne s'y intéresse même pas et qui n'est pas si anodin que ça. Vous allez le voir dans la démonstration et dans mes explications. C'est quelque chose que l'on achète pour soit son prix, soit pour son aspect et sa taille, on le pose et on ne s'en occupe plus. Et bref de suspense, il s'agit du tapis d'entrée, donc du paillasson. Moi personnellement, je ne m'en étais jamais préoccupée. Voilà, j'achetais, comme je vous le disais, un paillasson dans divers magasins par rapport à sa taille, par rapport à sa matière, parce que j'aime bien quand même plus ou moins le passer en machine pour pouvoir le brosser sans qu'il parte en biberine. Je l'ai changé plusieurs fois parce que soit il se tord debout, soit il perd trop ses poils, ou alors tout simplement il s'use à force. De passer dessus ou de les brosser, et donc voilà, on le change, on cherche pas à comprendre. Et moi qui personnellement aussi étant en appartement, comme je suis au dernier étage, même s'il n'y a que deux étages, je me suis dit bon, mais de toute façon, le temps que je monte les escaliers, j'ai le temps de perdre si j'ai de la poussière ou quoi que ce soit, même si on n'est pas totalement débarrassé de tout. Donc la société Aquaclean Concept m'a permise de tester un des tapis qu'ils vendent sur leur site. Il s'agit du tapis Eva. Donc il dispose de fibres qui sont 50 fois moins épaisses qu'un cheveu. Donc je ne sais pas exactement comment cela fonctionne, mais je suppose par déduction que vu que les fibres sont très fines, elles peuvent donc du coup se glisser dans les toutes petites surfaces, dans les moindres recoins de votre chaussure. Vous savez, les semelles, des fois, on a des petites striures. Et donc, du coup, forcément, vu qu'elles peuvent vraiment gratter dans tous les petits recoins, ça sera beaucoup plus efficace que des fibres beaucoup plus grosses qui, elles, vont faire juste la surface de votre semelle. Donc, ce tapis, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'il absorbe 3 litres par mètre carré, qu'il ne laisse pas de traces de boue après le passage et qu'il est également efficace pour essorer les pattes d'animaux. Donc, pour celles et ceux qui ont des pattes d'animaux, je pense que ça va être très pratique. Donc, alors ce paillasson, on vous dit qu'il est ultra absorbant et qu'il dépoussière à la fois, puisqu'il va à la fois justement enlever la poussière et aussi absorber. Alors que souvent, dans les tapis classiques, déjà, on les prend parce qu'ils sont pas chers. Soit ils enlèvent que la poussière en surface, mais ensuite, ils vous laissent encore de la poussière une fois que vous êtes passé. En fait, il n'absorbe rien. Pareil pour tout ce qui est eau et boue. Donc, on vous dit qu'il est durable puisqu'il est solide et il permet de résister des années. Donc, du coup, ça vous permet aussi de faire de l'économie plutôt que d'acheter peut-être un tapis tous les ans ou tous les 6 mois qui s'abîme. C'est un tapis qui est facile d'entretien puisqu'il est lavable en machine à 30 degrés. Et il est pratique puisque... comme il est très efficace, ça vous évitera lorsqu'il pleut, etc. Et je l'ai d'ailleurs beaucoup vu, je le voyais chez ma grand-mère à l'époque, qui mettait toujours en fait un espèce de grand torchon par-dessus pour améliorer en fait le pouvoir absorbant du tapis puisqu'il n'absorbait pas assez avant de rentrer dans la maison. Donc moi, lorsque je l'ai reçu, bien sûr, j'étais pas forcément si convaincue que ça. Je me suis dit quand même, bon, ça m'étonnerait qu'en passant avec de la boue, etc., il n'y a vraiment rien qui se passe après en fait. Donc je me suis dit, bon, peut-être que la vidéo c'est un peu du marketing aussi. J'ai fait le test pour vous, je vais vous montrer par la suite. Donc j'ai d'abord trempé mon pied dans de l'eau, je me suis essuyé les pieds et je vous ai fait donc le passage sans passer par le tapis bien sûr, pour vous montrer la trace d'eau qu'il aurait dû avoir habituellement. Et le passage avec mon pied essuyé sur ce tapis. Donc, vous le verrez par la suite. Et j'ai fait la même chose avec de la terre. Voilà, j'ai pris de la terre. J'ai mis plein de terre sous ma semelle. Je l'ai passé pour vous montrer. Ensuite, j'ai essayé de me frotter sur le tapis. Et je vous ai montré donc ce que cela donne. Donc, ce tapis fait 16,19€ en ce moment, puisque c'est les soldes. Pour une taille de 40 x 60, il existe en 3 dimensions, en 60 x 80 et en 80 x 120. Et apparemment aussi en 2 coloris. Vous l'avez dans un espèce de marron, celui que j'ai personnellement. Et vous l'avez dans un ton un peu plus gris. Voilà. Donc moi franchement, je ne m'étais jamais intéressée au tapis. Et là, je suis complètement convaincue. Donc n'hésitez pas à regarder. En plus, je vous mettrai un code promo. Je crois qu'il est toujours valable si vous commandez sur le site. Parce que je vous ai déjà fait la démonstration. Des lingettes microfibres pour les vitres, pour faire le ménage sans eau, qui sont justement aussi désinfectantes, hein, attention, on le rappelle, et la serpillière
qui pour moi est vraiment au top et depuis que je l'ai, je revis. Franchement, depuis le temps que je cherchais des solutions pour mon sol qui soient rapides et efficaces sans que j'ai besoin de repasser la pièce plusieurs fois à cause des traces, à cause de son côté absorbant, de son côté nettoyant tout simplement et dégraissant en fait, je revis, mais vraiment quoi. Donc je vous mettrai toutes ces vidéos en lien par-ci, par-là. Enfin, en fait, on verra. Sinon, vous allez dans ma playlist ménage, vous les retrouvez. Donc n'hésitez pas à les consulter. Et finalement, pensez à votre tapis d'entrée. Vous aurez beaucoup moins de ménage à faire ou à nettoyer lorsque vos enfants rentrent et courent, lorsque vos chiens et chats rentrent dans la maison et qu'ils vous laissent des traces partout. Voilà, ça peut être une solution au préalable pour éviter de trop nettoyer par la suite ou de nettoyer tous les jours et de ramasser de la poussière, de la boue, enfin tout ce que vous voulez. Je vous fais de gros bisous et je vous dis... C'est parti, on passe au test. Donc je prends une bassine d'eau, je trempe en fait ma basket, enfin juste la semelle, hein, je ne vais pas mouiller le pied. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement vous montrer la trace qu'habituellement cela ferait si je n'étais pas passée par l'étape tapis. Et ensuite, je recommence, je retrempe mon pied, je l'essuie sur le tapis et je repose mon pied sur le carrelage. Et vous allez voir donc du coup que toute l'eau s'est absorbée. Il n'y a même pas une petite goutte qui est restée. Et ça, c'est surprenant. Voilà, parce que... on aurait pu avoir quand même encore un petit peu de traces d'eau. Pareil pour la terre, donc j'ai mis de la terre bien dans les rainures de ma semelle. Donc là, je vais vous montrer ce que ça donne justement si je pose directement mon pied sur le carrelage, encore sans passer par l'étape tapis. Donc on voit bien qu'on a plein de terre. Pareil, je refais la même étape, je remets encore de la terre. Je passe par le tapis en m'essuyant bien le pied. Et je repose mon pied sur le carrelage. Et là... aucune poussière, aucune trace. Donc là, pour la dernière étape, je combine les deux, c'est-à-dire qu'en fait, je trempe mon pied avec ma semelle pleine de terre dans de l'eau pour essayer de faire une espèce de petite bouillasse. Je repasse par l'étape tapis et là, même mouillé, en fait, on n'a pas de traces de terre. Franchement, ce tapis est vraiment efficace d'un point de vue absorbant et... dépoussiérant. Sachez que donc une fois que votre tapis est sale, parce que forcément si la poussière ne se dépose pas sur votre carrelage, elle va se déposer sur votre tapis, vous pouvez le passer en machine à 30 degrés et voilà, donc vous gagnez beaucoup de temps pour votre ménage si déjà lorsque vous rentrez et sortez vous ne salissez pas, surtout si vous avez des enfants, des chiens, des chats, des animaux quoi. Et voilà, gros bisous, à bientôt.